J'en prends juste après. Voilà. On n'est pas héros, d'accord. Petit truc que play, voilà. Donc je reprends ça. Il y a une petite voix. Alors je vous le dis, je sais plus. Bon travail, je crois. Voilà. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Ils ont des lumières. Regarde en haut. En bas. C'est... En bas. Bon, tout est ok. Ah, tu peux te lever. Oh, vous voyez pas, quoi. C'est nul. Comment. Voilà. Voilà. Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Putain, et voilà. Salut, bonjour, c'est bon? Ça marche? Ça marche pas. Bon, allez, on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. Ouais. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Là, je suis fonctionnaire. Non? Dis-moi, je suis fonctionnaire, s'il te plaît. C'est la vie, tu vois, la retraite, tout ça. Impressionnant, non? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. 2010, c'est sûr. Prenez que... Non, c'est Révélation. Peut-être as-tu vu Libération? Non, Libération, merci. C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpables. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Tu peux installer une minute. Les pirates des Antilles. Ah, lui, il dit quelque chose. Putain. Ça va prendre une minute, ok? Bonjour. Je te remercie, Nancy. Bonne journée. Ça sent la colle à bouffe. C'est bon, tout est magnifique. Prêt. Merci. On a quoi là, frère? Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets, ton communicateur. Allume-le et j'ai dit un œil, c'est plutôt cool. C'est chiant qu'il y ait là comme ça de son. Oh, c'est une tablette. On est content de chez Absol. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Ok, je ne foutre que... Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. On a l'impression. Mais bon, c'est quoi, t'es prêt? Non. On y va. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Salut Colabo. Ça va bien? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Bonjour, tu bosses sur quel projet? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Edward, le pirate. Ah, dis matelot. C'est super, bienvenue à bord. Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravi de te connaître. On va redémarrer le jeu après, je pense. Voici l'étage de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. C'est
Les jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton animus... Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'animus est rempli de tutoriaux très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux mettre un autre jeu ? Reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie ? J'ai envie de mettre un autre jeu. On va mettre un autre jeu. On va mettre... Qu'est-ce qu'on a alors ? Alors, on a du... Le premier, je l'ai fait. Non, deux. Quatre. Ah, il n'y a pas de... Attendez. C'est des livres, je pense. The Fail. Le Fail. Bien Fail. Comment ça y est ? Hop. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Et tant pis, il faut que... Si vous avez des questions, ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Étalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. Alors, je tiens juste à dire, il y a échantillon 17, hein, donc il y en a 16 avant. Je les connais pas tous, hein, donc il reste encore beaucoup d'Assassin's Creed à voir. On va passer sur... Oh. La vanne. J'avoue l'avoir déjà savouré, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici ? Non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. C'est parti, mon fifi. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire. Landy, un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalès ils ont volé pour finir là-dedans. Hola, mesdames. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça. Non, oh, par le ciel. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. On va rendre un jeu après, je pense. Ah ah, voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air tant inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons-y. Devrais m'acheter une épée, on me prendra. Oh, nous faire, vous et voilà, moi, donc, aussi voilà, féroce l'un que l'autre. On était un petit peu avant les gros lags. Uplay s'est désinstallé, tu sais pas pourquoi, hein. Voilà. Donc on reprend, on est parti pour encore 10 minutes de jeu, et c'est parti. Alors j'ai rush, bien sûr, parce que ce carte, ça s'est pas faite. J'ai dû rush le jeu. J'ai fait en moins de 10 minutes. C'est plutôt pas mal. Je suis content.
voilà, le titre du jeu, c'est comme la Black Flag. Et le titre de ça s'appelle Les Pirates de Noël. Je ne vois plus rien du tout. On revient un peu. Ah, allez-y de là, Van. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Cuba. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Il y a toujours un petit mec comme ça. Ouais, c'est bizarre. Moi, je suis sûr, j'ai vérifié, il n'y avait pas de virus de toute façon. Donc, ça va, il y a de ça. Il n'y a pas ça. Hop, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, oui. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui? Je me suis dit, bah, ça lag un tout petit peu quand même. C'est bizarre. Vous voyez pas J'espère le même truc que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par l'après. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réels. C'est toujours le son qui paye, c'est la chance. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça tend. Les hommes mariés. C'est vrai que c'est chiant. Y'a pas un genre un truc de la réglage audio? Audio? J'en ai marre, ouais. Voilà. J'ai déjà activé ce titre en fait, hein. Ça va être un peu mieux. Ah ah! Voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Faites-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Mais bien entendu. Merci. Non, on avait d'autres là. Ah, ça me convient. Attendez une minute. Voilà, merci. Je vais pas débloquer les CPU. Hein. Ok. Et toi, Bonnette? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Et il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacré! Je nous ai égarés, Duncan. T'en fais pas, genre un peu. Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Alors c'est sûr, les dialogues, il y a des petits bugs. Bon, ça c'était le jeu, je pense. Soit, regardez. Jack Doit est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Ça blague pas parfois. C'est bizarre. On peut regarder quand même, dès que j'ai activé les sous-titres, que... Ça bug légèrement. Voilà, on synchronise. C'est vrai que c'est bon. Je crois que je vois ta veine. Arrêtez! Tiens bon! Il m'a fait remuer ma bourse! Bonjour, que dois-je? Ah! J'en perds le souffle! Je crois que mon cœur. Si je t'attrape, je te brise les genoux! Pas plus vite que toi, mon petit. Hop! Ouais, j'ai fait un combo. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux.
Duncan, grand Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Est-ce qu'on va finir cette petite chose là? Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux George a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. J'ai déjà vu ta tête. Pirate de Nassau. C'est vraiment chiant. Tête à grande gueule, ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Ah bah ouais, elle est toujours décalée. Attends. Ça va se... Que vous voulez, vous allez la voir. Allez, hop, on a ça, je peux... Allez les gars, j'ai vu des oiseaux avec. Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés! Prends tout ça. Tout ça vient, les gars. Tout ça à la foutre. D'arrêter pas mieux. Je suis dans la fille, je crois. Bon. Ah, il est dessus. Oh, les gars, stop. Vous avez bien chier quand même. La main de l'huile. Ah, c'est
Bon, le bon fusil n'est pas obligé de se détacher. Ok. Comment je redémarre le jeu? Oh là. Il y a voiture. Bon, voilà. Voir si on peut sauvegarder. Pourquoi sauvegarder? Je pense que ça se fait tout seul. Bon. Voilà, donc on est là. Même cri que ces trucs soient un petit peu buggés. Je vous retrouve pour le prochain épisode, c'est-à-dire dans quelques minutes, vu que je vais redémarrer le jeu. Salut à tous, c'était White. Cliquez, 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 bande de salopes. Cliquez, 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 bande de salopes. Cliquez, cliquez.